Coucou à tous et bienvenue dans Outlast 2, la démo. La démo qui est disponible en ce moment sur Steam. Du coup, c'est une démo donc c'est gratuitement. J'aime bien les jeux qui font des démos. Outlast avait eu des super reviews. Moi, je suis pas un énorme fan des jeux qui font peur hein, de manière générale. En fait, j'aime pas spécialement avoir peur. J'ai peur très facilement. Mais je me suis dit là, j'avais envie de faire quelque chose de différent de ce que je faisais d'habitude. Du coup, je me suis dit, tiens. C'est l'occasion de voir un petit peu ce que vaut le jeu. Et puis, voilà, c'est l'occasion de se faire peur et de jeter sa souris et son clavier en l'air en allant se cacher sous la couette. Et du coup, on est parti. Alors, bienvenue dans la démo de Outlast 2. Vous êtes Blake Langerman, un caméraman qui travaille avec votre femme Lynn. Avec sa femme, pardon. Lynn. Alors, oui, je sais pas du tout si... Si c'est en lien avec le premier ou pas. De toute façon, j'ai pas fait le premier, donc donc en fait, je m'en fous. Les deux, vous êtes tous les deux des journalistes d'investigation qui n'ont pas peur de prendre des risques, pardon, pour creuser et découvrir des histoires que personne n'a osé, que personne n'ose toucher. Vous suivez une piste qui a commencé, qui a commencé avec le meurtre apparemment impossible, d'une femme enceinte qui était seulement connue en tant que Jane Doe, c'est-à-dire qui était dont le nom était inconnu. Donc l'enquête vous a amené dans le désert d'Arizona, dans les ténèbres tellement profondes que personne ne pouvait faire la lumière dessus. Et une corruption aussi tellement profonde. Une corruption tellement profonde que devenir fou était peut-être la seule chose saine à faire. Très bien. Je n'ai aucun problème avec ça. Two weeks ago, a young woman was found wandering, barefoot, pregnant, and alone, on a barren stretch of highway 100 miles from the nearest. Oh, the fuck! Did you see that? We lost the engine. Fuck! Fuck! Jesus Christ! Oh no, Julia! I've got you! Pourquoi ils enquêtent la nuit aussi ouais. C'est la pleine lune, la nuit en pleine lune, alors ouais. Les gens qui ont juste envie de se faire meurtrer la gueule. Hein. Bon. Alors. Village. Lynn. Bon, alors on est perdu donc dans une ferme d'Arizona. On vient de tomber par là. Je vais revenir par là. T'es là-bas. Non? Non? Non. D'accord. Je vais pas aller là-bas où c'est. Ah, n'importe quoi. Alors, ok. Donc, pour activer la vision de nuit avec la caméra. J'ai déjà beaucoup trop stressé pour ça, moi. Mon dieu. Bonjour. Ok. Alors.
Qu'avons-nous ici? Hello? Toc toc. I'm lost and hurt. Donc c'est la porte est fermée, mais on peut pas la démonter là, non? En même temps, ça a l'air un peu abandonné là. Toc toc. Et une église là-bas. Ça a l'air sympa. C'est toujours sympa les églises. Aïe. Au. Pique. Ah, j'avais pas vu. C'est ça qui fait des petits bruits. Un saut de viscère. Génial. Toi, tu toques. Les mecs, ils ont des sauts de viscère devant leur porte et tu toques. Entendu? Vous avez entendu ça? Mettre la vision de nuit, hein. Bon. Là-bas, il y a de la lumière. Oh. Is anybody there? Ça y est, commence à baliser. Enfin, je commence à baliser. Commence à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Genre, on a envie d'appeler des gens, mais en même temps. Ah, on entend des bruits. Pas loin. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. Ah? Ah non, c'est juste un mec avec une machette. Tout va bien. On va aller là. Là, c'est bien. Cassez-vous. Tiens, faut recharger les batteries. Qu'est-ce qui fait ce bruit là-bas là? Ah tiens. Non. Alors là? Oui. Non. Toujours? Non, c'est bon, il est parti. Ah. Toc toc toc. Quelqu'un qui a peint du sang sur la porte. Mais j'ai pas envie d'avancer, moi je suis bien là. On peut pas aller là. Oh. Oh. Quelqu'un? Tricycle. Monte sur le tricycle. Ah. Ah oui, c'est une vache. C'est bel et bien une vache avec une pelle plantée dans le vide. Très bien. Très bien. Alors. J'entends des trucs. On peut se cacher dans les tonneaux. Y'a quelqu'un? Ah non, ça va. Non mais c'est terrible. Ça c'est un traquenard les tonneaux. C'est forcément un traquenard. Parce qu'en fait... Regardez, on se met dans le... Attends. Je vais me cacher. On se met dans le tonneau. Et du coup en fait on n'a plus aucune vision. C'est comme dans les films. Dès qu'on voit quelqu'un de près et de dos, il va se retourner un moment et se prendre un gros jumpscare. Et là c'est pareil, on a aucune vision et on sort et il va forcément y avoir un mec dehors, toujours. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Et moi, alors, bon, personnellement j'aurais déjà rebroussé chemin. Hein. Que ce soit bien clair. Il y a un truc qui clignote là-bas. Que ce soit bien clair, j'aurais rebroussé chemin mais à 100%. Ah, il y a un tableau du heavy de Team Fortress. Toc toc toc. Mais putain, et sans déconner quoi. Ah. Ferme la porte. Ah. Ah. Bon, c'est pas du tout le heavy du... Juste un gros. Prends une poêle, prends une arme. Prends quelque chose là.
Des bottes. Non, pas des bottes. Quelle heure il est? Minuit. Forcément qu'il est minuit. Maintenant, quelle heure il est? Minuit 20. On peut se cacher dans les armoires. Un bruit ou pas? J'arrive pas à savoir s'ils viennent de là les bruits. Hé! Hey, je veux sortir. Mon dieu. Oh. Je souffre. Je suis complètement en souffrance. Et c'est quoi qui clignote là? Ah, yes! Des piles! C'est pour recharger ma batterie. Ok. Tout va bien. Il y a des trucs là? Je n'y vois rien, je n'y vois rien. Et je chante pour me rassurer. Moi qui fais du bruit ou pas là? Ah oui, si on peut rentrer par la fenêtre, ok. Nickel, bon. Ah putain. Qui est-ce qui a laissé rentrer un corbeau? N'importe quoi. Ferme les rideaux là. Voilà. Mon dieu. Y a un putain de corbeau dans la. Y a un corbeau dans la maison. Y a un bruit là. J'espère qu'il est dehors. Il y a beaucoup trop de bruit. Bonjour. Il est où le mec avec la machette là? Je sais que t'es là mec. Je sais que tu es là. C'est moi qui te poursuis en fait. Youhou. Je te vois. Je te vois pas du tout. Il y a quoi là-bas là? Pas zoomer? Ah si, on peut zoomer. Yes! Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Bon, bah allons-y. J'ai entendu une porte se fermer ou quoi? Ouais, on va dire que je suis poursuivi, hein. Allez, courons un peu. J'ai peur. Ah, dans la kill room. Eh ben voilà. On est mieux là. Pourquoi je suis allé là moi? Ah mais en fait c'est ça, il est en train de recréer une scène de natalité. Avec le petit Jésus dans le berceau. Et le masque de peau. Peut-être. Ah non, c'est juste des... Oh non, mais c'est dégueulasse! Dégueulasse! C'est moi qui suis en train de devenir fou là, parce que ça fait comme beaucoup d'enfants. Ou de poupées. Non, je pense que c'est des enfants. Dégueulasse. C'est dégueulasse! Pas fier de toi là. Bon, allons-y. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le... Bah forcément qu'il y a quelqu'un dans le puits. Bonjour. Oui, vas-y, penche-toi autour. Et voilà. Forcément. Tu vas chercher aussi, là.
Donc il y avait une langue dans le puits. Allons-y. Je disais, j'ai beaucoup aimé comment... Oh, c'est terrible qu'on puisse regarder derrière. Bon, oh. J'ai beaucoup aimé comment le sprint est fait, genre... Ça commence tout doucement et puis petit à petit, tu... Petit à petit, on avance vite. Ouais, j'aimerais bien. Allez, ah, mets ta caméra là. Mets ta caméra. Voilà, c'est par là-bas. Allez. Arrête de me chuchoter, toi. Hein. On va à gauche. Allez, on va à gauche. Il n'y a rien derrière. Non, rien du tout. Je n'en retournerai pas. Allez, si. C'est bon. Je tourne en rond là, non? Holy shit! Oh, mais non, ça va. Hé! Hey! C'était quoi ça? Non, mais. Il y avait une. On est dans une école, tout va bien. Les écoles, c'est sympa. On est où là? Ouais. C'est en train d'enregistrer? Oui, c'est en train d'enregistrer. C'est bon. Qu'avons-nous? Chapitre 1. Quoi, il est déjà 6h30? T'en passes vite, hein, quand on se fait poursuivre par un psychopathe. Ou qu'on est en train de devenir fou. Je pense qu'on est plutôt en train de devenir fou. Hein. Yes, des piles. Yes! Je sais pas à quoi ça sert. Je sais pas si on peut vraiment se vider les... vider la batterie. Probablement. Fermé. On peut faire un petit... un petit bruit strident sur le... sur le tableau, là. Bonjour. Mais oui, j'ai encore le temps de charger les batteries, ne t'inquiète pas. Quoi ce bruit là? Qu'est-ce qui fait ça? J'étais là. Elle a qui cette main? Ah! The fuck? Non. Oh ben. Ah oh. Forcément, il faut que je recharge ma batterie maintenant. Ah! Une veste! Jessica. Qu'est-ce que c'est ça? This was Jessica's. Non mais. C'était pas assez creepy quoi, il fallait rajouter une boîte à musique. Ok, cool. Il y avait bien une ombre encore. Ah ouais, non, c'est sympa. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Voilà, plus d'ombre. Il y a plus d'ombre, tout va bien. Non. Je veux sortir. T'es sorti là? Ah bah non, c'est fermé maintenant. Ok. Hop. Putain. On est où là? Ben oui, je sais que t'en chies, mon gars, mais bon. Hein? Il y avait un monstre. Ah, ben voilà! À travers le casier. Tout va bien.
Ouf. Ouf, ouf, ouf. Fermez les portes. Non, après, bon. Non, après, bon, elles vont claquer derrière moi et ça va me faire peur. Jamed. Jamed. On peut esquiver. Ah! Une petite fille. Jessica. Jessica. Arrête de crier, tu vas tirer les monstres. Et voilà, elle est pendue. Ça t'apprendra à crier. Ça t'apprendra. Cette télé ne marche plus. Oui. Oh God. Yes. Vous voyez les portes, faut les fermer parce que sinon, après il y a les monstres qui doivent les fermer. Ils sont pas contents. Et du coup ils te pendent. C'est logique, hein. Ça fait des courants d'air. Et ils sont là, ils sont peinards. Tu leur fais des courants d'air. Ben voilà la sortie, elle est là. Allez, on s'en va. Non? On s'en va pas? Ah ben il y a le monstre aux langues et aux bras maintenant. Fermer les portes pour faire des courants d'air monstre. Voilà. Écoutez-moi. Il y en a qui chauffent ici, hein. Bientôt l'hiver. On se permet. T'as pas l'air. Bon, allez, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Moi aussi, prenez-moi! Non. Bon, même prenez pas alors. Ah putain! Connard! Tu mens ça, tu vas me saigner. Ah mais il y avait bien le gars avec la machette. Oh putain. Mais il ferme la porte derrière toi. Je te vois. Ah. Allez, on va à travers les champs. Hein. Vous ne mourrez pas. Ah non mais ils sont. Ils sont pleins à me poursuivre en fait. Ils sont où? Ils sont par là-bas, donc on va fuir dans le sens. Ah ah! Vous pouvez me cacher quelque part. Ah, il est là! Voilà, à l'arbre pendu. Mais je viens de là en fait. Je suis revenu au point de départ. Il s'y attendait pas, du coup il me trouvera pas. Ok. Oh, putain, il m'a retrouvé. Il est fort, hein. Franchement. Ah merde, il y a du barbelé là. Bordel. Et eh ben voilà, on va se cacher dans le tonneau. Il me trouvera jamais. Je suis pas là. Les parents, ils ont quand même l'air de savoir que je suis là. Je suis pas là. Qui parle de cross-section de sphère. Je vous entends, je sais que vous n'êtes pas parti. Oh bah voilà, on peut sortir. Ah, je l'ai semé. Je vous ai bien eu. Et là, c'est des piles. Important ça. Ah putain, il est juste là. Je sais pas où est-ce que je dois aller.
Yes, par là. Ah, ben il y en a un autre là. Ok. En fait, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de m'amener quelque part. Je fais pas là alors. Des cannibales en plus. J'en ai un peu... pas super sain d'esprit, si je peux me permettre. Oh non, il veut perdre pas tes lunettes, hein. Ah ben voilà. La sorcière. Ah. 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 Eh ben au moins ils diront plus jamais que j'ai pas de couilles. Ah, blague. Blague. Bon, ben voilà, c'était la démo d'Atlas 2. C'était cool. Ça fait peur. Je prends toujours... je prends toujours autant de plaisir à jouer à ce genre de jeu. Mais c'est cool à chaque fois, une fois que c'est fini c'est bien, tu vois. Mais sur le moment, je suis vraiment beaucoup trop stressé pour ce genre de jeu, quoi. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez aimé, en tout cas n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez... enfin, dites-moi ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une excellente journée et je vous fais plein de bisous.